100 years ago today, I was born inside a computer. Alors, on va pas se mentir, hein. Les ennemis, enfin, faire la différence entre les ennemis et les trucs à pick-up, c'est chaud, quoi. T'as vraiment un radar comme ça, ton amour? Attendez, alors par contre, est-ce que je... Putain, je peux pas... Parce qu'il y a là un... Il y a un manette qui vibre à chaque fois qu'il se passe des trucs. Ok. Bon, a priori, c'est de la... C'est de la survie, quoi. Ouais, Unch et Oomph. Parce que pourquoi pas, voilà. Unch pick-up. Ah. Donc si je vais par là, je vais pouvoir trouver une tourelle que je vais pouvoir utiliser, c'est ça l'idée. Ouch, plus 50. Ah mais arrête la manette. Putain, qu'est-ce que je vais en faire de la manette pour qu'elle arrête de vibrer En plus j'en ai besoin après, donc j'ai même pas envie de la... Je vais la mettre sur moi. Ouh. Ah mince, du coup j'ai bougé, il y a le son qui a sauté. Ah, le son, s'il te plaît, reviens. C'est relou ça. Là, faut absolument que je rachète un casque parce que là c'est plus possible quoi. Ah, il veut vraiment pas revenir le son. Allez, le son, allô. Ouh, le son. Mais ah, il va falloir que je relance le jeu pour avoir le son. Merde. Ah mais c'est pour faire des vues, hein. Écoute, qu'est-ce qu'on peut, hein. Mince. Ouch moins 10. Non, en fait, faut que... Voilà, quitte. Je vais relancer le jeu en espérant que ça va mieux marcher. C'est vraiment pénible. Ok, c'est bon, c'est revenu. Plus de oomph. Ramassez boost, bordel. Ah, Gimpal Rumble, off. Allez. Salut. Contrôle. Ouais, ZQSD. Ah, mais si, il y a Special Weapon. Et Upgrade Menu. Quoi? On peut pas rebind? Merde. C'est autant espace ça va, autant entrée, c'est à l'autre bout du monde, quoi. 100 years ago today, I was born inside a computer. Alors, unspend upgrade point. Ah mais c'est comme... J'ai pas retrouvé le nom. Nova Drift. Apparemment on peut mettre des points avec les trucs qu'on récupère. Boost, crash speed and acceleration, nature given, damage taken reduced, ta 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 ta, mais attends, je sais même pas pourquoi je lis la colonne défense en fait.
Allez, hein. Et c'est tiède, j'avais de me dire ça, alors qu'en vrai, ce serait. C'est vrai, ça pouvait éventuellement laisser prétendre qu'on allait aller au bord de l'eau, de la mer. Béziers au bord de l'eau, oui, ah bah t'es, nous on est du centre quand t'es Béziers. Béziers c'est presque la mer, tiens. Encore, là, j'ai même du nord-est, donc pour moi Béziers c'est carrément le sud. C'est ça, c'est le sud, c'est la mer, c'est tout. Enfin, après, t'as encore, voilà, t'as soit le sud, soit le sud, soit le sud-ouest pour l'océan, quand même. On est au centre. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'aille péter les machins, là. Mais j'ai pas envie d'utiliser le totem, mais qu'est-ce que tu me casses le nom? Ouch plus 50. Ou le gros ouch. Boum! Et les astéroïdes aussi. Allez, ok, maintenant je peux balancer les. Ok. Il y a des flèches de toutes les couleurs sur mon radar là. Ah mais les missiles en fait d'accord, j'en ai que 3 recharges. Oh l'arnaque. On sait qu'on était bien là. On va pas se mentir, le jeu il est pas ultra lisible quand même. Bon, c'est rigolo parce que c'est du Twin Stick mais. Warning! One shot remain. Ah, d'accord. Quoi? Ah, je crois que c'est un boss. Le Magus de Mutz. En fait, j'ai vachement de mal à voir où sont les ennemis et où sont les bonus, quoi. C'est. Je vous avoue que le warning one shield remain en plein milieu, c'est. Hein? Mais qu'est-ce qui m'a touché? Vous avez vu ce qui m'a touché là? Too much oomph, je pense. Hein. Bon, j'ai eu trop de oomph, ça. Ça m'a tué. Ah mais d'accord en fait, ok. Donc en gros, l'auto-aim, ça fait un truc. En fait, le problème, c'est que vraiment, les bonus, ils sont trop lumineux, quoi. Enfin. Bah, déjà, les ennemis, t'as du mal à voir leur hitbox, parce que là, en gros, les ennemis que j'ai de base, là.
ils grossissent et ils rapetissent en permanence, du coup c'est pas... Et c'est vraiment... Tiens, quoi ? Achievement. Ouais. Là, par exemple, typiquement, ces ennemis-là, j'arrive pas à les voir, en fait, quoi. Pareil, les petits feux d'artifice, c'est des... Quoi ? Mais pourquoi ça m'a touché ? Ah merde, j'ai des points... Ah, et puis du coup, il y a quand même pas mal de fin parce que finalement, les points que je vais prendre là en leveling, ils sont valables pour les prochaines missions aussi, quoi. Donc finalement, entre le vaisseau de base et le vaisseau dans 50 heures, il y a une grosse différence quand même. Ouais, là, ils ont... ouais, le dev, il s'est fait plaisir sur les effets lumineux, quoi. Je pense qu'il voulait tester les trucs, hein. Je pense qu'il avait à sa disposition pas mal d'effets différents et s'est dit, je vais tous les mettre. Pourquoi choisir quand tu peux tout mettre? Et du coup, le Ouch 100, c'est le maximum, en fait, apparemment. D'accord, je peux faire tourner la boule autour de mon vaisseau. Évidemment, tout un offense, le build. La défense et DPS pas, quoi. Aïe. Ah, mais d'accord. En gros, là, j'avais pas entendu. Il faut que je pète les trucs avant... D'accord. Ok. Merde, aïe. En gros, il me reste 2 minutes pour péter les gros shields, sinon sinon c'est instant d'arrivée. Hein. Okay. Du coup, je pense que les shields, c'est la flèche jaune sur mon radar. Ah, mais c'était ça en fait! Putain, je suis con. Mais en fait, c'est ça qui m'a tué tout à l'heure. Je comprenais pas. Et quoi, j'ai dit, bah merde, qu'est-ce qui m'a tué? Je comprends pas, machin. En fait, c'est juste qu'il devait rester. J'ai dû arriver à la fin du temps en fait, et il devait rester un shield. Vu qu'il y avait un gros truc rouge qui clignotait shield remaining, machin. Tu vois? C'est quoi ça? Ah. Et je peux y aller là ou pas? Ou j'allais là-dedans ou pas? Ça sent la base hein, quand même, machin bleu. Non, ou alors ça c'est quoi? C'est juste un... Ouais. Cool, deuxième niveau. Ok, mais en tout cas je suis pas fou, donc le coup d'avant j'étais bien mort instantanément sans m'être pris de dégâts en fait. Bon, par contre, je pense que voilà, on va faire live et live. On va terminer cette partie et puis. Je pense qu'on aura. Merde. Je pense qu'on aura vu tout ce qu'il y avait à voir sur Béziers. Enfin, pas tout, mais en tout cas, tout ce que je voulais voir. Ah ouais, donc là, j'ai 3 minutes pour péter plein de boucliers en fait. En fait, le problème, c'est que les ennemis, quand ils meurent, ils font eux-mêmes des particules et... Et du coup, ok, en fait, c'est bon, je commence à mieux comprendre. Donc, en gros, les flèches vertes, je pense que c'est pour avoir des armes. Et les flèches jaunes, c'est les boucliers à péter. Voilà. Hop. Ah non, c'est juste un Ouch plus 5 ans. Bon,
bah, j'ai cru que j'avais compris quelque chose. Hein. Il a quoi lui, il a un... Ah d'accord, il est protégé par une sorte de barrière. Hein. Bon, par contre du coup là il me reste... Je sais pas si j'ai bien fait en fait de prendre le missile, parce que le truc était quand même pas mal. Hein, ouais. Je mets pas trop la zik au début, finalement ça va en vrai. Ah! Je sais plus ce qu'il faisait le hall. Hein. En fait, c'est une sorte de tour et faut pas être dans le... C'est comme Deep Rock, hein, c'est... C'est comme Deep Rock avec les tours et avec le faisceau rouge, hein. Faut pas être dans le faisceau, quoi. Oula, wow. Ça déconne, on voit plus rien encore. Ok, donc là j'ai pété tous les boucliers, donc y a le boss qui va arriver, voilà. Ok, zone 3, on est bien là. Ah, il est comme sympa le jeu en vrai. C'est dommage qu'il soit pas plus lisible, mais il est sympa. Aïe! Alors 3 minutes 20 et j'ai 5 shields à fumer là. Même c'est incroyable les zik, t'as même du champ maintenant quoi. Oh. Ah je suis confus. Aïe merde. Ah ouais, vraiment la zik elle est ouf quoi. Normalement jamais ça arrive dans les twin shooters les zik comme ça avec des voix. Ah nice level 4. Reduce special weapon cooldown, c'est le chat, quick plan de machin, chance giving cocktail blow, increase energy time, jump power increase. On peut avoir moins de shield par zone, c'est pas mal ça en vrai pour avancer vite. Fireflame ammo and fuel, allez. En fait, j'ai même pas compris comment comment mes trucs ils reprenaient des munitions en fait.
La zik, elle part vraiment dans tous les sens, quand. Pour ça, je suis content d'avoir lancé le jeu, quoi. Et rage! Allez, c'est parti! Wouh! Le bleed, j'aime bien ça. Ah mince, je me suis touché. C'est con et j'ai pas compris comment ça marchait là pour les munitions, pourquoi des fois j'ai des boosts de vitesse de tir, j'ai des speedrates d'un coup. Ah le voilà Jean-Michel. Alors que voilà Jean-Michel le boss. Qu'est-ce qui... Oh merde, pourquoi je... Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, hein, zone 4. Hein. Ah, mais des slots en bas à gauche maintenant? Oh là là. Bon, en tout cas, comme prévu, je m'amuse beaucoup. Quelle grosse marade. Merde! Ah! Pourquoi à chaque fois je dis des trucs comme ça, le jeu il est méchant avec moi? Enfin, les jeux sont méchants avec moi. Et connais, je dis je m'amuse bien, et direct il me fume le jeu. Mais ouais, il a juste un peu... Il a juste beaucoup trop abusé sur les effets de... Notamment les effets quand on tue les ennemis, en fait, quand... C'est les ennemis qui explosent, on sait même pas si encore... S'il faut esquiver leur corps ou pas, ou c'est juste de la déco, ouais, c'est... Je trouve ça vraiment intéressant le fait que tous les bonus et tout soient amenés au fur et à mesure en fait. Au début, t'es pas trop de concept. Et la plupart des subtilités de gameplay, de scoring et tout, c'est ajouté au fil du temps. Et ça, c'est vraiment bien. Mais là, par exemple, les machins blancs là qui pètent les yeux, et ben, je pense que ça me fait absolument rien. C'est juste pour dire que je touchais le boss, quoi. Enfin, le bouclier. Et du coup, je trouve que pour un truc qui sert à rien, ça va... C'est un peu trop visible à l'écran, quoi. Oh, du bleed, j'aime bien ça. Alors, il me restera un bouclier encore. Merde, je regardais pas l'écran. Qu'il est le bouclier. Ah mais en fait, en bas à gauche, d'accord. Ok, les slots, c'est... Ok. Les trucs en bas à gauche, c'est ce qui tourne autour de mon vaisseau, en fait. Aïe!
Ah non, mais là t'abuses là. Oh merde, il reste encore un shield et il reste 30 secondes. Vite. Vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Oh là, je suis pas bien là. C'est bon. Le bouclier d'un. Je sais pas si je peux le péter en vrai le boss là, qui pop à chaque fois. Hein. Mais c'est quoi ce jeu là? En fait depuis tout à l'heure je l'évite mais... Yo les fast! C'est ce soir, exactement. C'est ce soir les incroyables annonces Diablo. Pour dire, bah. Bon, en Diablo 4, 2022, peut-être une bêta. Diablo Immortal, bon, vous avez un téléphone ou pas? Diablo 2 Remaster, on a gardé le concept de l'endurance parce qu'on a trouvé ça rigolo. Un peu ça va te là. On verra. Bah je serai sur la chaîne d'Aken Sachoir. Bah de toute façon j'ai mis un message sur la purée. J'ai mis un message sans sur le Discord. Si j'y pense je me mettrai en host aussi. Ouais, le gros point négatif, c'est que je vais tech ça, quoi. Je serai là sans le thé. Ah, mais les verres, ils font un peu mal, là. Ouais, il me reste. En fait, c'est bizarre, c'est que j'ai pas l'impression que ça monte en difficulté le jeu, quoi. Enrage! Bon, sachant que ce soir, moi, j'arriverai un peu plus tard parce que. C'est mes parents qui arrivent tout à l'heure avec les gamins, là. Ils remettent les gamins à la maison et du coup ils seront à la maison ce soir donc je pourrais pas me co en vocal trop tôt. Et ouais ça je sais pas si on peut le tuer en fait le machin là quoi. Allez. Our colony grew from thousands into millions.
Et les nanas. Ça fait un peu la même vanne. Hein. Tu joues Robert Ménard et ta ville est envahie. Et ils sont où les boucliers là? Ah merde. Voilà. Aïe, aïe. Bah t'inquiète pas, t'as ça, il est pas modo. Hein. Jamais je fais ça. Hein. Non, j'ai déjà fait les erreurs dans ma vie, mais quand même. Hein. Après voilà, il est actionnaire majoritaire, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que par défaut, j'ai toujours accès à un majoritaire, mais en fait non, hein, parce que, du coup, vous êtes plusieurs. Vous êtes plusieurs depuis aussi longtemps, et même pas en... Et même pas en Amazon Prime, donc... Bon, Dayton, j'espère que tu crois quand même aux annonces intéressantes pour Diablo ce soir. Moi, j'y crois à mort, c'est la chance de ma vie. À peu près, quand. Annulation du jeu, mais non. Moi, je vais jouer à Diablo 4. Hein. One of us was appointed Magus Domus, the chief steward of the world inside, the overseer of the unstable and mutating designs. Bon, en vrai, je m'amuse bien, mais j'ai le moyen comme que la run elle se termine un jour, quoi. Diablo Immortal, UD2 Remaster, ou Resurrect pour les gens, sauf que je me fous des deux, ouais bah... De toute façon, c'est toujours le même problème, hein. j'ai pas de smartphone, donc autant dire que Diablo Immortal, ça m'intéressera pas. Et en Diablo 2 Remaster, j'avoue que je suis pas vraiment hype, quoi. Après, ouais, j'espère juste qu'ils diront un truc du genre, bon allez, bêta Diablo 4 en mars l'année prochaine, j'aime pas trop, je pense que je meurs si j'arrive à 0 en août, à mon avis.
Nouvelle club, petites infos. Ouais. 100. Yo, regardez notre arbre passif. On a changé. On a élagué les branches. C'est un bonsaï, c'est ça. On a vu que les gens avaient un peu peur qu'il y ait trop de branches, et du coup, on a. Voilà. Et pour déconner, pour, au moment de Noël, on peut le mettre en forme de sapin de Noël. Alors, content ? Et si vous voulez, dans la boutique, on pourrait choisir l'espèce. On pourrait avoir. On pourrait choisir du Norman et des choses comme ça, quoi. Pour la modique somme de 20 boules. Oh merde, j'ai encore deux boucliers à péter en fait, il reste 6 minutes. Allez! La boutique sera un DLC. Aïe, je sais pas trop là. Je pense que pour le 4, honnêtement, ils vont mourir. Ils vont plus partir sur une boutique, à mon avis. Vite, 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 vite. Il reste un bouclier. Mais du coup, je sais pas si je veux péter le boss en fait, j'en sais rien. Nio 2. Ah, du coup, t'éclates bien sur Nio 2 alors, toi. Bah, moi, j'arrive pas à savoir si ça m'a. Ça m'intéresserait ou pas, quoi. Ouais, cool, je peux avoir des nouveaux satellites. Hein. C'est quoi l'idée de ceux-là? Des boucliers là, il faut. D'accord. Il faut péter tout le truc pour aller péter le bouclier. Okay. C'est marrant qu'à chaque fois le bouclier soit un peu différent. Aïe! Petit incomplet d'édition pour Steam. Nice. Ouais, je pense que je punirais trop. C'est la raison pour laquelle j'ai pas encore un. J'ai pas essayé de le prendre. Mais c'est globalement le. Ouais. La vision que j'en avais, quoi. Un jeu très cool, mais super dur. Bien. Allez, on prend un petit slot d'armure quand même, allez. Et du coup, j'ai avancé en Borderlands 3, j'ai fini le deuxième DLC là. Il me reste deux DLC à faire.
Non, jeu de fou. D'accord. Ouais, mais enfin, déjà, de toute façon, la maniabilité Soul, c'est j'aime pas, quoi. C'est pas un truc qui me plaît, donc forcément. Un Souls Ninja Gaiden, quoi. Et ouais, du coup, on a fait une deuxième DLC la semaine dernière, je crois, le mercredi. Et du coup, il nous reste le... Ah ouais, d'accord, cool. Il nous restera celui un peu style western et puis Krieg. Quand je dis maniabilité des souls, en fait j'aime pas la troisième personne, quoi. Bien souvent les jeux de combat troisième personne, j'aime pas, c'est bien souvent j'ai du mal à bien voir les hitbox, j'ai l'impression de me faire toucher alors que j'aurais pas dû. Despite our founder's original intentions to return us to the outside physical, the colony slid into apathetic tyranny, a saga of protracted cruelties and atrocities. À chaque fois, ça me fait ça dans les souls. J'ai l'impression que la roulade, j'aurais dû esquiver, finalement, j'esquive pas. Et du coup, ça me frustre plus qu'autre chose, quoi. Alors, comment on va faire pour le tuer, lui? C'est un envers. Ouais. C'est bien plus punitif qu'en sous, là. Alors. Non, c'est vrai que plus le temps passe, et moins j'aime refaire plusieurs fois la même chose, donc. Je pense qu'il y aurait moyen que je rage quitte rapidement. Aïe! Achetez-vous qu'en ce moment le combat ça me manque. Surtout que c'est pas prêt de reprendre donc. C'est tout en le placement, c'est le problème, t'en as pas des... Ouais, d'accord. Faut me lancer son niveau. Et ça, par contre, toi, je serais curieux d'y jouer, quoi. Un jour, je le casse, là, je pense, avec plaisir, je testerai... Ton absolu, toi, Sekiro, c'est pareil, il me faisait de l'œil aussi, parce que... Ouh. Comme j'ai pris cher là. Sekiro me faisait de l'œil parce que j'ai l'impression que je préférais toi, les timings et tout ça, quoi. J'ai l'impression que t'as vraiment un petit feeling. Comment il s'appelait ce jeu Bushido Blade, quoi. T'as vraiment le côté où les timings au poil de fion, etc., quoi. Ouais, je sais plus qui m'avait dit pareil pour Sekiro, le côté vraiment jeu de rythme. Ouais,
pam 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 pam. Puis je me prête 30 ans. Rejected the acceptance of hardships as the pathway to peace. Après, tu vois, du coup, moi, dans les Souls, c'est pareil, c'est pas un truc qui me plaît vraiment, les différents builds, en fait. J'ai toujours le moment où je sais pas quoi jouer, je sais pas où mettre mes points. J'ai l'impression que où que je mette mes points, ça va pas être le bon choix. Enfin, tu vois. Là, pareil, enfin, t'as la façon aussi de level up les armes. Tu sais, j'ai toujours l'impression de me dire, est-ce qu'il faut vraiment que je mette... Est-ce qu'il faut que je pète cette braise à tel endroit ou est-ce qu'elle serait pas mieux dans une autre arme ou... Et tu vois, j'ai toujours peur de faire une connerie en fait dans le jeu quoi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Voilà, ça va être la merde, je comprends pas ce que je fasse. Ok. Pas compris pourquoi au début ça allait pas, mais... T'as du loot de partout. Du loot. Ouais, mais là je touche. Alors pourquoi j'ai pas touché avant? Ah ouais, peut-être quand je mets sur un carré, ça fait pop des ennemis. J'aime pas les jouer avec trop de loot. Ah mais t'inquiète, un item filter, on en parle plus quoi. En tout cas, ce jeu, il est ouf, il y aurait vraiment eu toutes les musiques possibles quoi. Enfin, tous les styles de musique possibles et imaginables quoi. Si troll, hein. Je sais pas si on est je ne sais pas combien de milliers d'heures sur PoE. Mark of Cain. With torment and urgency. Yep, Linux. I must not surrender to fate. Dizaine de milliers, ouais, y a même moyen. Ouais. Yep, pas de soucis. Mais écoute, vraiment, je suis très surpris par le jeu. En fait, je m'attendais pas à ça. Ouais, au début, j'étais pas ultra. Enfin, en fait, au début, je le trouvais vraiment pas lisible. Et finalement, alors. D'accord. Ah! Mais finalement, c'est cool. C'est fait ville du sud, c'est ça. Ouais, bah surtout en ce moment en fait. Là en ce moment, vraiment, je suis en train de vider mon backlog Steam, donc il y a plein de jeux qui traînent depuis super longtemps.
Aïe. Non, merde, je vais pas prendre ça, tant pis. Mais CrossCode, il est sur ma liste de jeux à faire. Hein. Mais le problème, c'est que CrossCode, bah déjà, il me fait peur. Hein. Et puis CrossCode, il faut vachement de temps, quoi. Là, le jeu-là, je m'étais dit, voilà, une petite demi-heure, une heure, et c'est bon, je suis content, j'aurais joué. Mais CrossCode, hein, t'inquiète pas, il est sur ma liste de jeux aventure complète à faire. Hein. Là, il est même rien. Sur ma magnifique feuille de planning. Tout en bas par là. Ça marche, début de first. Et dans aventure complète, il y a Velocity 2X que je veux faire. Il y a Thunderhead que je veux faire. CrossCon. Et puis Dandara que je dois terminer aussi, quoi. Donc un jour. Et d'ailleurs, j'ai pensé à toi parce qu'il y a, une extension qui a été annoncée. Oui, bah après, voilà. J'essaie d'être un peu moins confiante pour pas mentir sur ce qui est écrit sur la feuille, quoi. Et du coup, je disais, j'ai pensé à top, il y a l'extension de CrossCode qui a été annoncée pour pas longtemps, je crois, en plus. Mais oui, la fibre. Bon, j'ai encore deux boucliers à péter. En vrai, j'aimerais bien quand même que la run, elle se termine. Parce que... C'est un autre jeu que je voulais montrer après. Peut-être édition physique, je sais pas trop, mais j'ai juste vu l'annonce comme quoi il allait avoir une extension. Il y a Spoons qui m'en a parlé aussi, c'est Spoons il adore. Donc, c'est un peu l'idée là. Alors je sais pas si c'est que je suis trop bon ou si le jeu il est simple. Hein. Je pense que c'est peut-être un peu les deux quand même, mais... Ah merde, il y a encore un shield. Ah bah... En même temps, si je pète pas les shields... Ah bah là, du coup, j'ai peut-être mourir, en fait. J'ai bien fait de faire le malin, en fait. Ah bah là, c'est mort, en vrai. Ah non, peut-être... Ah non, c'est bon, parce qu'ils ont viré le shield. Ah, ça va. Enfin, c'est... Oh ouais. Bon, bah, 7 secondes près, j'étais mort, effectivement. Mais zone 12 en... Je peux avoir un quatrième Hop. Voilà. Peut-être un petit module autour de moi, quoi. Et pour ça, il faut que je trouve l'astéroïde. Mais après, du coup, oui, je peux quand même mourir à tout ça, enfin, pas à tout instant, mais là, par exemple, il me reste 3014 pour péter tous les boucliers du niveau, quoi. Et si quand ça arrive à zéro, il reste un bouclier, c'est mort instantané, en fait. Donc, effectivement, le coup d'avant, j'étais pas loin, quoi. Ouais, Blitz, c'est cool, hein.
Un level seul. Ah, ça, c'est peut-être pas mal en vrai. Mais après, bah, sincèrement, je pensais pas. Bah, je pensais pas que la partie allait durer aussi longtemps. Surtout que la première, j'ai perdu assez vite parce que justement, j'avais pas compris le principe des boucliers. Ah bon, j'ai dit, j'ai pas compris, et c'est surtout que j'avais pas du tout lu que Roger me disait avec sa voix digit des années 80, mais. Franchement, quand on écoute et qu'on lit ce qui est écrit, ça marche mieux, quoi. Asuk, c'est parti les plateformes, je trouve, qui prend toute ta bande passante, quoi. Enfin, toute ta bande passante, tout ton pros, ça prend tout, quoi. De faire un petit téléchargement, ça frise tout, quoi. Enfin, ça se termine. Ah, puis après, j'ai encore un autre jeu à montrer. J'ai Ninjin Clash of Carrot, quand. Donc, autant dire qu'il y a qu'un nom comme ça rend du rêve, quand même. Puis, à un moment, accessoirement, faut peut-être que j'aille manger un petit peu, quand même, parce que. Parce que je commence un peu à avoir la dalle, en fait. Hein. Ah oui, mais d'accord, ok. Merde. Attends. Bah, faut que je tape quoi alors? Ah mais. Ah. Ok, donc le vert non. Le rouge non. Le bleu non, mais il faut que je tape. J'ai rien compris. Manger. Oh, j'ai pas compris comment on pétait le bouclier là. Du coup, ça peut-être être la fin. C'est en gros si. Ah, ça je peux le taper. Non, je peux plus le taper. Ça non. Ça non. Ça oui. Ok. Rien. J'arrive pas à comprendre comment je peux savoir à l'avance. Lequel faut toucher, lequel faut pas toucher. Merde. Aïe. Non. Oui.
Bon, du coup, là, il me reste une minute pour péter deux boucliers. Sachant qu'après, il y a Roger qui arrive. Ok. Bon, mais... Franchement, c'est cool sur les deux jeux que j'ai lancés aujourd'hui. Pour l'instant, c'était bien mieux que ce que j'imaginais. Quoi. C'est vraiment des bonnes surprises. Comme il m'a fait flipper. Attends, mais y a un truc qui... Ah, ok. Mega Chain! Ah, du coup, là, si je comprends... Du coup, ouais. Ah, la fin est proche. Non. Prendre 50 points de vie par là. Il y a l'autre bout. C'est du critique, c'est pas mal ça. Chain Rain. Ah merde! Ah si c'est bon, ça l'a tué.
My time is now. Time to stop playing. Hein? Ah bien, j'ai cru que c'était fini. Alors c'est tout en haut à droite, à côté du timer en fait. Pour l'instant, toi, y a rien. Et à un moment, elle va dire shield is up. Aïe. Donc pour l'instant, y a rien. Là, y a juste une petite flèche verte qui est là. C'est pour me dire qu'il y a un bonus de soins par là-bas. Mais là, apparemment, il y aura pas de. J'ai l'impression que là, c'est vraiment la fin en fait. J'ai l'impression que le boss il vient m'attaquer. Du coup, c'est peut-être vraiment le niveau final en fait. Parce que sinon, en gros, t'avais les icônes de shield tout en haut à droite là-haut. Et il y avait une flèche jaune qui apparaissait sur mon radar pour me dire vers où étaient encore les shields. Et surtout, tu vois, là, il y a le boss qui arrête pas de venir m'attaquer alors que normalement ça arrive jamais. Donc, réponse dans 2 minutes et quelques. Après, ça paraît très bizarre que si deux jeux aient une fin, mais. Vu que ça a l'air plus ou moins scénarisé, je sais pas. Mais c'est vrai que par contre là il n'y a plus ouais, y a plus de flèche verte là donc Ah mais d'accord, Hall c'est pour repousser les ennemis, ok. Ah oui, attends, il a des points de vie, j'ai pas vu. Mais je tire n'importe où. Il est Keblo 5. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Visiblement, il y a un truc que j'ai pas compris. Achievement unlocked. Earth. It comes to pass that the sacred poem, to which both heaven and earth have set their hand, so as to have made me lean for many years, should overcome the cruelty that bars me from the fair sheepfold where I slept as a lamb, an enemy to the wolves that make war on it. With another voice now. Ah merde, je suis en train de penser, j'ai oublié de modifier la commande jeu. Nice! Allez, 359ème. On sent que les premiers ils sont vers la plus infini au-delà quand même. Ouais. Cool!
Complete. Ah d'accord, complete. Alors ça va pas trop parce que j'ai assis un petit peu. Bon. Hop. En gros, voilà. Donc là, apparemment, il y a un système d'upgrade et je pense que je peux faire plusieurs fois le jeu. C'est comme Isaac. juste par principe quand même, parce que du coup... Histoire 2, hein, parce que j'avais quand même préparé ça en vrai. Donc voilà, donc c'est un jeu de 2016, donc qui est relativement vieux hein, quand même, mais franchement, je trouve ça super cool en fait. Je suis très surpris qu'il y ait un petit peu scénarisé, et qu'en fait, il y a vraiment plein de trucs à débloquer, j'ai l'impression, quoi. Donc il y a un mode endurance, c'est peut-être l'endurance qui est infinie, et daily également. Et les musiques, elles étaient vraiment classe en fait, c'était... Non, vraiment, très bien, quoi. Ah, et d'ailleurs, tu peux inverser apparemment stick gauche et stick droit sur la manette. Non, vraiment bien. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est une critique de Bézier, voilà. Il faut voir ça comme une œuvre à part entière. Il y a quelque chose derrière. C'est pas juste un twin stick shooter. Hein.